m'appelle Stéphane, je suis éducateur sportif dans la région parisienne. J'ai été auparavant entraîneur de foot, puis je suis passé responsable de l'école de foot, puis directeur technique. Aujourd'hui, j'ai passé un peu toutes les barrières et maintenant je finis par former un peu les éducateurs. Et aujourd'hui, je vous fais cette interview pour l'espoir des jeunes que je représente depuis maintenant 2 ans. Alors, je dirais les valeurs que je vais mettre en avant au niveau du foot. Non, parce que c'est le genre que je suis, c'est tout ce qui échange, la diversité, l'esprit d'équipe, important parce que c'est un sport collectif, même si des fois on peut s'apercevoir que individuellement il peut y avoir des objectifs, mais ce qui est le plus important, ce qui doit régner, c'est l'esprit collectif. La motivation, c'est le suivi, parce que je m'aperçois que maintenant, depuis ma troisième année avec l'espoir des jeunes, je rencontre des jeunes qui étaient là la première fois que je suis venu et qui reviennent. Et ça, c'est intéressant de voir qu'elles continuent de revenir. Il y a même des jeunes qui, vous savez, qui sont entre deux, qui viennent pour un stage, ne font pas de foot. Et puis, on s'aperçoit qu'au bout du deuxième, troisième stage, décide cette fois-ci, ça y est, de s'engager dans un sport. Parce que ce qui est bien avec le sport des jeunes, c'est qu'on a une possibilité de proposer différents sports. Et tous les jeunes se rencontrent pendant une semaine, échangent. Et des fois, même en discutant avec un basketteur, un tennisman, voire un gymnaste, une chose, et ben, on peut être intéressé à faire même un autre sport. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, c'est de les faire s'engager dans un sport. Et ça, c'est intéressant de savoir que tu reviens et qu'ils disent « ça y est, je me suis engagé, je fais un sport aujourd'hui ». Alors les clés, on dit souvent, on dira peut-être qu'il y a un secret. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de secret. La vie, il n'y a jamais rien sans rien. Il faut travailler. Alors maintenant, ça ne donne aucune garantie. Mais au moins, je donne le plus de chances possible pour gagner un match, déjà, et réussir. Et peut-être atteindre son objectif, en tout cas dans le foot. Peut-être pourquoi pas devenir footballeur professionnel. Mais voilà, mon secret, je dirais, mon petit secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Je dirais qu'il faut toujours croire en soi, il faut avoir confiance en ses qualités, il ne faut jamais se décourager et se dire qu'il n'y a jamais d'échec et c'est toujours que l'expérience et que dans les expériences, il y a toujours du positif à en tirer. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que l'espoir des jeunes permet que, au-delà, sur une année, vous pouvez faire du foot en compétition, en club, mais là, vous êtes là dans le perfectionnement. On vous permet, matin et soir, d'avoir des séances de qualité avec des retours sur séance. Enfin, c'est un coach qui fait parfois des entretiens avec vous. C'est moi ce que j'aime bien faire, pour moi personnellement. Et en tout cas, on vous rajoute peut-être que sur une saison, ce qu'un club va peut-être pas vous apporter, et nous on est capable peut-être de vous rajouter. Pour toutes ces raisons, rejoignez-nous sur un cours pour Allegiant. À vous de jouer.